Good morning, Aleiden, et ce sera aujourd'hui le Nishma David, Ben Fortuné, Mazal Fritna, et Dvora Batester, et Allegria Batsol, Ben Soussan, et Bet Venish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nishma, respectez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nedarim, Père Gimel, Mishna Dalet, Nodrin, la Haragin, Vela Haramin, Vela Morsin, Shehi, Trouma, Afalpi, Sheheina, Trouma, Shehen, Shelbet Amelech, Afalpi, Sheheina, Shelbet Amelech, Bet Shamayumrim, Bakol, Nodrin, חוץ מבשבועה. בית הלל אומרים אף בשבועה. בית שמאי אומרים לא יפתח לו בנדר, או בית הלל אומרים אף יפתח לו. בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו, או בית הלל אומרים אף במה שאינו מדירו. כיצד אמרו לו אמור קונם אשתי נהנית לי, ואמר קונם אשתי ובניי נהנים לי. בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורים. בית הלל אומרים אלו ואלו מותרים. On continue à découvrir les Nédarim qui n'ont pas d'emprise, avec, ouais, comme on a découvert déjà depuis Arba Nédarim et Tirochamim, c'était la première Mishnah du chapitre, où on avait appris donc qu'il y a des Nédarim que les gens prononcent, mais sans qu'on sait pertinemment qu'ils n'ont aucune intention de l'interdire, mais qu'ils le prononcent parce qu'ils aiment bien parler pour rien, ou bien parce qu'ils ne le pensent pas, ou parce qu'eux, ils veulent... Ils sont forcés à le faire, et en l'occurrence, ou bien ils sont trompés aussi, c'est ce qu'on avait vu aussi dans la mission précédente avec les Shogeg, Ones, et maintenant on va voir quelqu'un qui est forcé par quelqu'un de l'extérieur, et qui lui dit donc comme ça, et Nodrin la Haragin, Vela Haramin, Vela Morsin, on a le droit de prononcer un éder pour les. Haragin, pour quelqu'un qui nous menace de nous tuer. Haramin, un brigand qui à l'époque, qui avait les brigands en pleine. Les Robins des Bois, enfin, en pleine. D'accord, les brigands. Et qui le menace de le tuer, ou bien la Haramin qui le menace de lui prendre tout son argent. Vela Morsin, et c'est pour les inspecteurs des impôts. On va expliquer exactement c'est quoi. Donc il peut le prononcer en éder, chez Itouma, que ce que tu veux prendre, c'est de la Touma, ne me les prends pas. Même si c'est en réalité, c'est pas de la Trouma, ou encore Shehen, Shel Bet HaMelech, ou qu'ils appartiennent, c'est la propriété du roi, alors qu'ils ne sont pas du roi. Afalpi Shehen, Shel Bet HaMelech. On explique un petit peu de quoi on parle. C'est qu'en fait, je suis en route avec ma cargaison de mangue, et en plein chemin, là, il y a des brigands qui viennent, qui m'accostent, qui veulent tout me dépouiller. Et moi, je leur dis, bon, vous les prenez, prenez. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas lutter contre vous. Mais sachez que ça ne m'appartient pas à moi. Soit c'est tout de la trouma. On parle des brigands qui sont des tzadikim. Si on leur dit que c'est de la trouma, ils ne vont pas les manger, apparemment. Ou encore, je leur dis que ça appartient au Bet HaMelech. Genre, je suis en route pour aller au palais, les amener au palais royal. Et si jamais ils vont être fâchés qu'ils vont percevoir leur mangue, ils vont faire leur enquête, ils vont vous attraper. Oy va voy lachem. Donc c'est pas kedaï pour vous de toucher à ça. Et. Peut-être que je leur mens. Alors je dis, vous savez quoi? Je vous promets que si je me trompe, je prends sur moi, je prends Dieu à témoin. Comme ça, il va faire. Et je m'interdis avec un éder que je mangerai pas de pain et pas de viande pendant une semaine. Si jamais c'est pendant 3 jours. Je mange pas de ni viande, ni je mange pas de pain pendant 3 jours si jamais. Si pendant une semaine, si jamais c'est un truc. Je mangerai des bananes si je veux, mais en tout cas pas. Mais en tout cas, donc je prononce un éder parce que je suis forcé. Alors la Mishnah me dit, tu as le droit, a priori, tu prononces ton éder si tu veux, et ce sera un éder qui n'aura pas d'emprise, parce qu'on sait pertinemment que dans une situation pareille, eh bien, tu vas mentir pour qu'il te laisse tranquille. Ok, tu as même à la limite le droit de le faire, moi, je pense. Si j'ai pas eu d'interdit de le faire. Et maintenant, précision sur c'est quoi Morsin? Morsin, c'est l'inspecteur des impôts. Sur ça, une précision super importante. Il faut savoir que Dina de Malchut Adina, on a l'obligation de payer des impôts dans, à part en Israël, c'est une autre histoire, on ne va pas ouvrir le débat, mais en tout cas, spécialement, en tout ce qui est Khoutzla Aretz, tous les impôts qui sont imposés par le pays, on a l'obligation de le payer. Ce n'est pas du tout évident de vouloir esquiver les impôts. En Israël, pour la petite parenthèse, c'est écrit dans le RAN ici, c'est différent, qu'en Israël, ça fonctionne selon le... C'est un principe très simple. Hachem, il a distribué les pays à des peuples, il a donné, d'accord, Shivim ou Mot, Shivim et Shonot, peu importe exactement comment les partager, mais chacun, donc il a Hachem, il a donné la terre au roi, et il lui a dit, écoute, je
te confie ce pays, tu dois faire attention que tout se passe bien, tu dois donc prendre aussi des impôts si c'est nécessaire, tout ce qui est logique, qui est bien mesuré et équitable, alors c'est des impôts qu'elle a le droit de prendre et qu'on n'a plus le droit de lui voler. En Israël, il y a d'autres règles, c'est qu'en théorie, ça doit marcher selon la Torah, parce que la terre, elle n'appartient pas à aucun homme, elle appartient à Hachem en Israël. Même quand il y a un roi, c'est un pion qui est censé mettre en pratique la volonté d'Hachem. Et si on a maintenant un gouvernement qui va mettre des impôts qui ne sont pas cohérents avec la volonté de la Torah, on ne leur doit rien. Et c'est toute une histoire, c'est un long débat, on n'ouvre pas le sujet. C'est juste pour vous expliquer qu'en fait, quand ici écrit que pour le mohes, ça vient du mot mehes, vous savez, quand on passe la douane, on déclare le mehes, la douane. Morsin, c'est quelqu'un qui va quelqu'un qui va prendre des impôts du roi. Et la Mishnah me dit, en fait, tu as le droit aussi de lui mentir à lui. Alors, sur ça, la Gemara, elle explique, et donc je lui explique qu'on parle d'un mohes qui ne fonctionne pas selon les règles permises de la halakha. En l'occurrence, c'était fréquent, vous vous rappelez, quand on apprenait l'histoire de France, on prenait le petit tiers état là-bas, on lui disait, allez, viens, toi, on va être blindé, tu vas payer 80% d'impôts, et l'autre, le riche, on ne prend même pas d'impôts. Et comme ça, donc si c'est fait de manière inéquitable, alors là, il n'y a plus de devoir d'écouter le roi. Et c'est de ça qu'on parle dans notre Mishnah, d'accord? Ou encore, il y a encore, c'est Mochessa Omed mais Elav. Tout ce que je dis, c'est expliqué dans le partenariat, si vous faites attention. Et encore une autre solution, c'est quelqu'un qui s'est mis à prendre des impôts tout seul. Ouais, Robin des Bois. Il se met en pleine route, il dit, écoute-moi, tu veux passer ici, tu payes, si tu payes pas, tu passes pas. Ok? Voilà, c'est pour l'introduction de la Mishnah. Donc en deux mots, ce qui nous on retient maintenant, ce qui nous intéresse, dans les situations où on n'est pas obligé de donner l'argent, mais quelqu'un qui nous force à donner de l'argent, alors dans ce cas-là, on a le droit de jurer en mentant. De prononcer un éder, je m'interdis tous les fruits si jamais je mens. D'accord? Ensuite, maintenant, c'est sur ça qu'on va passer maintenant sur trois marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel, à préciser exactement jusqu'à combien tu as le droit de mentir. Trois points. Première marloquette, Bet Shammai Umrim Bakol Nodrin Khutsmi Bijvoa, tu as le droit de prononcer autant de néder que tu veux. Tu dis, je fais le néder que je ne mangerai pas de pain, je ne mangerai pas de fruits, je fais le néder que je ne rentre pas chez moi, que je n'ai plus de rapport avec ma femme pendant un an, je fais le néder que je. D'accord? Tu fais ce que tu peux prononcer tout ce que tu veux en néder, mais tu n'as pas le droit de dire le mot je te jure. D'accord? Et Bet Hillel Omrim Bijvoa, tu peux aussi dire le mot je te jure. Deuxième marloquette, Bet Shammai Umrim Lo Yiftach Lo Ben Neder. Selon Bet Shammai, c'est pas toi qui va commencer à parler de Neder. C'est celui qui force et dit, ah, c'est vrai, prends-moi ce que tu dis en prononçant un Neder. Alors là, dans ce cas-là, tu auras le droit de prononcer le Neder. Mais tu n'auras pas le droit, toi, d'ouvrir l'éventualité en disant, crois-moi, je crois pas que ça appartient au roi. D'ailleurs, je fais le Neder. Pourquoi tu n'as pas le droit, toi, d'inciter d'ouvrir le néder, d'accord? Ça, c'est mon Bet Shammai. Et Bet Hillel va dire, « Aviftach lo », il pourra même lui-même, de son initiative, lui-même, ouvrir et dire que je m'interdis par néder. Encore une troisième marque, « Bet Shammai, bema she umadiro, Bet Hillel omrim, af bema she umadiro. » Maintenant, même quand lui me demande, « Ah ouais? Tu dis que c'est vrai, tu dis que ça appartient au roi, tu dis que c'est de la trouma, prononce un néder que tu n'as pas mangé de pain. » Et toi, tu vas rajouter sur ça, je mange ni pain, ni viande, ni gâteau. D'accord? Tu rajoutes. Est-ce que dans ce cas-là, de nouveau, tu as le droit de le faire ou tu n'as pas le droit de le faire? Ben, jamais tu dis non, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, si tu l'as fait, eh ben, dans ce cas-là, tu n'as plus la permission que ton éder marche. Et dans ce cas-là, tu t'interdis, comme on va voir tout de suite, il y a un exemple dans la Mishnah. D'accord? Ben, ma chez Omadiro, sur ce qu'il lui a demandé de faire le néder, alors là, il devient interdit. Ou Bet Hillel Omrim, Af Bemachin Omadiro, même sur ce qu'il n'a pas demandé de faire le Neder. Donc en deux mots, en fait, il y a maintenant le brigand qui surgit, et il me dit, donne-moi là toute ta cargaison de mangue, comme on a dit. Et moi, je lui dis, ça appartient au roi. Fais attention avec qui tu te frottes, qui s'y frotte, s'y pique. Fais très attention. Ah, l'autre, il commence à me dire, non, qui a dit que c'est le roi, peut-être tu réponds des mythos. Est-ce que je peux maintenant prononcer en lui disant, je te jure, que ça appartient au roi, que si jamais ça appartient pas, je te jure que tous les fruits que je mangerai pas de pain pendant une semaine, si ça appartient au roi. Ou alors là, ça fait une première marloquette, ou bien si même je lui dis, je m'interdis tout le pain bénédaire pendant une semaine à
Alors lui, il m'a rien demandé, donc je me l'interdis. Et celui-là m'a dit, interdis-toi de manger du pain. Moi, je lui dis, ni les pains, ni les fruits. Alors là, ça fait ça, la troisième marloquette. D'accord, c'est la troisième marloquette qu'on vient de voir. Et la Mishnah a expliqué un petit peu mieux la troisième marloquette. Est-ce que c'est sur ce qu'il interdit ou ce qui est même d'autres choses. Kate, ça commence à présenter le cas. À Marlo, il lui a dit, le brigand, il lui a dit, Emor konam ishtin enetli. Tu sais quoi? Tu dis que ça appartient au roi? Interdis-toi tout de suite par Neder de tirer profit de ta femme. Si toutefois, ça appartient réellement, si tu me mens. Alors sur ça, Véhamar, il lui dit, je te promets, je fais Neder, je prononce le Neder, le vœu que. Konam, ishti ou banaï, pas que ma femme, ni mes enfants, je ne profite pas d'eux. Alors quoi? Bet Shamay omrim, ishto muteret ou banaï vasorim. Dans ce cas-là, Bet Shamay va lui dire, écoute, qui t'a demandé de parler de tes enfants? Ta femme, il t'a demandé, on te croit, on te permet, prononce le Neder. Mais si tu rajoutes, c'est trop tard, t'as dit des choses qu'il n'y a plus de preuves, c'est plus prouvé par excellence que tu es en train de lui mentir. Donc dans ce cas-là, tu t'es fait avoir par ta parole. Et tu interdis tes enfants. Tandis que Bethilel Omrim, Elovel Omotan, Bethilel va nous dire non, pas du tout. Les deux, ils seront permis, parce que, comme on a dit, tu as le droit de rajouter sur ce qui, même plus que ce qu'il t'a demandé de faire, et de nouveau, tu auras la permission des Nidrei Haragim, des Nidrei Haramim, des Nidrei Morsin, comme ça. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzlachakol, tout vous sert.